Véronique Bianchi, sensuelle Véronique, en direct sur les 103.10. Bonjour Véronique. Salut Manu. Comment tu vas? Très bien, ça va, merci. Ah, quand j'avais prévenu les auditeurs, les auditrices qu'il y avait un accent et tu l'as bien. Hein. Il a, bonjour les auditeurs. Excuse-moi, ça a coupé un petit peu. Oui, bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices. Ok, bonjour Véronique. Donc, comme l'annonce ton accent, tu es de Marseille. Eh oui, du sud. Et du sud. Donc, tu représentes la ville de Marseille dans le collectif sur lequel on va parler tout à l'heure. Là, on vient d'entendre un de tes titres sensuels qui fait partie de ton répertoire. Tu peux nous en parler un peu? Alors, sensuel, c'est un titre, comme vous l'avez entendu, latino. Avec l'accent pas trop marseillais, mais bon, on a essayé de gommer. Voilà, qui représente, je voulais représenter la sensualité des femmes. Voilà, avec des petites paroles sensuelles. Alors, si j'ai bien suivi ta carrière, ce titre, tu l'avais déjà sorti il y a quelque temps et tu l'as revu et revisité justement avec une version un peu plus, comme tu l'annonçais, latino. Un peu plus latino, oui. Ben, je l'ai sorti en version dance. D'accord. La première fois, voilà. Et puis j'ai voulu refaire une autre version. Donc j'ai travaillé en collaboration avec une petite maison de disques et nous avons trouvé l'idée de la refaire en latino. D'accord. Alors ça c'est un de tes titres. Oui. Voilà, si je suis pas fou, ça ne va pas. Mais avant tout cela, t'es venu comment dans ta carrière musicale? Le chant apparemment, avec pas mal de tournées, de cours, tu as fait des salles, tu me disais, avec 400 à 500 personnes et des comédies musicales. Parle-nous un peu de ton début de carrière. Alors j'ai commencé à chanter quand même assez tard. Je suis rentrée dans une école, oui, et ensuite j'ai participé à des comédies musicales. Il y a des comédies pour fin d'année, pour les écoles, pour d'autres, pour les entreprises. Et voilà, j'ai eu l'honneur de faire deux fois une grande scène à Marseille qui se nomme le Kilo, où les plus grands artistes ont chanté dans cette salle. Voilà, et je suis actuellement, je prête ma voix pour des petites comédies musicales. Et je continue à écrire mes chansons. D'accord. Donc tu écris, tu chantes, oui. Du classique? J'ai pas compris. Tu fais aussi du classique, t'as une technique classique? J'ai fait du lyrique, oui, j'ai fait 6 ans de lyrique. D'accord. Et ouais. Parmi l'ensemble de tes titres, tu as de quoi faire un album? Ça se présente comment? T'as fait des EP? J'ai pour faire un EP, je suis en préparation d'un album, oui. D'accord. Qui va sortir donc maintenant l'année prochaine? Normalement, il devrait sortir l'année prochaine. Ok. J'espère. Ok. Alors, on compte sur toi justement pour nous tenir au courant pour cette nouveauté. Alors, bon, sensuel titre dance assez sympathique et qui donne un peu de chaleur parce qu'il est vrai que bon, on est en automne, bon, c'est un peu normal, mais nous on n'est pas gâtés. Toi, t'es un peu plus de soleil. Oui. C'est vrai. Pas trop de chaleur quand même aujourd'hui, enfin, surtout en ce moment, mais bon, il y a le soleil. Ok. Alors, donc ça, c'est ta partie perso et tu es venu à rejoindre ce collectif Le Noël de tous les temps. Comment t'as pu rejoindre justement, comment ça s'est abordé cette rentrée dans ce groupe? Alors, je suis rentrée dans le groupe parce que voilà, j'ai eu contact avec Franck et qui faisait un casting. Donc voilà, je l'ai contacté. Puis ensuite, nous avons eu des échanges téléphoniques. Il est allé écouter mes chansons, ma voix lui a plu. Puis donc, je pense qu'ils ont eu une assemblée. Puis ils ont fait une sélection et ils ont opté pour que je participe à ce merveilleux projet. Et ta participation, elle se contente juste à chanter ou tu as pu donner ton avis sur telle ou telle parole ou revoir même des arrangements musicaux? Ah oui, bien sûr, mais bon, j'étais tout à fait satisfaite du travail qu'il y a eu, ça a été très professionnel. J'ai été entourée par des personnes extraordinaires, j'avais rien à reprendre, quoi. J'ai tout accepté et je suis
très, très, très contente. Et c'est la première fois que tu participes justement sur un titre de Noël ou tu avais eu l'occasion d'en Oui, faire? C'est la première fois. Santé de Noël, c'est la première fois, oui. Et vraiment, je suis ravie. Ok, on le sent en tout cas, tu as l'air d'être très très heureuse, très à l'aise dans ce Ah oui. domaine et tu aimes bien donc tout ce qui est contact public. Ah Tu oui. fais des tournées peut-être avec Franck justement pour présenter ce collectif. Franck avait fait notamment avec Kevin des Oui. Téléthons, comme il nous avait annoncé ces jours-ci. Mais disons que je suis un petit peu loin, quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas trop eu la chance, mais j'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire. Vraiment. Il n'y a D'accord. pas de souci. Ok. Donc on peut même t'apercevoir d'ailleurs sur le clip ainsi Sur le kiff, oui. que l'ensemble des autres participants. Bon, à Oui. savoir qu'on avait déjà eu Kevin, Franck, toi aujourd'hui. La continuité se fait puisque aussi lundi j'aurai le plaisir d'avoir Jeanlin qui représente la ville de Strasbourg. Et là, Ah ça vient de se caler cet après-midi pour je te l'informe parce que tu n'es pas encore au courant. Franck même pas au courant de la date. Hein. Il sait que ça se fait puisque c'est lui qui m'a donné les coordonnées. J'aurai Florian Serre qui lui représente la ville de Bordeaux. De Bordeaux, oui. Voilà. Donc ça c'est calé pour le mardi 19 sur les 103.10 de RVL. Je serai à l'écoute. Alors forcément, comme toutes les interviews, vous allez pouvoir l'ensemble du monde de pouvoir les écouter forcément, toi aussi, et sur le site internet de la station, qui est le www.radio-rvl.fr rubrique phoneur, hein, c'est sur la page d'accueil, tout en bas, ça, t'as peut-être été voir déjà. Sinon, partagez forcément sur le Facebook. Et pour la suite, alors quels sont tes projets à venir? Peut-être pour la fin d'année, quelques petits concerts ou même grands concerts, et puis l'année prochaine. Ben écoutez, là, je suis en préparation d'un nouveau titre. Voilà, je suis en pleine écriture et en pleine création. J'ai participé encore une fois à une petite comédie musicale. Qui est pour les écoles, celle-ci, par contre, pour une grande école de danse. Voilà. Et mon projet final, eh ben, c'est que je sorte mon nouveau titre qui va bientôt arriver. Bah, Voilà. on l'espère, on va l'attendre Ah, mais moi aussi. avec impatience, hein, parce que comme tu sais, RVL aime bien les artistes indépendants, et c'est le cas pour toi, donc que ce soit en local sur la région du Havre ou l'ensemble de la France, même hors de nos frontières, donc il n'y a aucun problème. Ce sera un grand plaisir de pouvoir faire ta promo sur ton prochain album. C'est déjà le cas, donc Génial. avec Sensuel. Alors tu Sensuel, donc tu as un nom d'artiste. Oui, mon nom est Bella Bianchi. Voilà, Bella. 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 Bella Bianchi. Ok, alors nous on reste ensemble puisque c'est Véronique et Oui. je te propose pour conclure un peu cette interview de retrouver ce titre merveilleux pour cette fin d'année qui est le Noël de tous les temps. Et puis dans l'attente de pouvoir diffuser l'ensemble de tes titres, ça sera avec un grand grand plaisir. Déjà, donc on a pu entendre Sensuel pour commencer cette interview et la suite prochainement. Donc c'est une invitation à nous tenir au courant pour la suite de ta carrière. Mais écoute, Manu, je te remercie infiniment. Là, c'est moi, hein. Voilà, super sympa. J'étais contente de participer au projet. Et puis oui, bientôt, ben, j'espère que mon nouveau titre passera sur ta radio. Avec plaisir, c'est un grand plaisir, parce que effectivement tu nous donnes le soleil, on en a bien Ben, besoin. Manu, je Ok, Véronique, vous en donne. je te souhaite une belle fin d'année, un bon Noël, et on se Moi quitte aussi. justement donc avec ce titre, Le Noël de tous les temps. On l'apprécie beaucoup sur les 103.10 et j'espère une belle carrière pour toi, pour ce collectif, et apparemment une prochaine diffusion sur des chaînes nationales. Donc, mais pour l'instant, on n'en dit pas plus, c'est encore un secret. Merci, et bien, je te remercie de la part de nous tous et puis je remercie les auditeurs.
Et je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Ok, merci Véronique et merci d'être parmi nous et d'avoir pu ainsi rejoindre la grande famille RVL. Véronique, à la prochaine et on écoute donc le Noël de tous les temps. Joyeuses fêtes ! RVL vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Des étoiles qui brillent par fontaine. Un enfant figé qui s'imagine devant une fenêtre illuminée par les lumières divines d'un sapin bien décoré. Les lueurs fragiles de la cheminée reflètent l'amour d'une soirée. Le Noël de tous les temps. Surprise en fait, vu que le plus beau cadeau est d'être entouré des gens qu'on aime. Le Noël.